Salut tout le monde, c'est The Geekman 2512 ou GG du forum RaisimFR. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour. Enfin, petite. Enfin, une bonne petite vidéo, enfin, petite ou longue, enfin, on verra bien. Hein. Donc sur ma création d'une nouvelle ligne que je suis en train de créer, donc un projet qui s'est fait à partir de la ligne de la Manche qui a été ma première création, que j'ai beaucoup aimé, mais bon, j'ai eu un souci avec les rails, enfin les rails trop bruyantes, disons que voilà quoi, je n'avais pas envie de changer tous les rails, et puis je me suis dit pourquoi pas faire finalement le parcours réel, donc entre Bayeux et Cherbourg. Donc voilà, donc j'ai commencé la ligne, alors je vais vous montrer un petit peu, donc on va éditer. Donc voilà, bon, je galérais un petit peu, j'ai beaucoup galéré pour trouver des rails, enfin des bons rails qui ne soient pas trop bruyantes ni trop silencieuses, et puis qui soient quand même, voilà quoi, parce que moi j'aime pas trop non plus quand c'est trop 2D, parce que après j'aime pas trop, ça fait rail tout plat, enfin, j'aime pas trop ça. Et bon, le 3D c'est beau aussi, mais le problème, la 3D c'est que ça bouffe beaucoup de FPS. Donc bon, j'ai cherché, puis finalement, bon, j'ai trouvé des rails, finalement de bons rails, qui donc. Voilà quoi. Bon. On va attendre que ça charge. Donc voilà, on va la créer ensemble la ligne. Enfin, on va la créer ensemble. Enfin, je vais vous montrer un petit peu comment je la crée. Comment, voilà, un petit peu aussi, un petit peu comme ça. Bah, si vous commencez dans l'édition de ligne, enfin, si vous voulez commencer dans la création de ligne, vous pouvez regarder comment un petit peu je fais. Bon, après, je suis débutant en création de ligne. Hein. J'ai fait juste une ligne pour l'instant. Donc là, c'est ma deuxième ligne que je suis en train de faire. Donc là, bon, j'ai commencé comme vous pouvez voir la gare de Bayeux. Bon, alors. Oui, on va me dire que en vrai, normalement, c'est pas un quai vraiment comme ça. Normalement, ça ressemble plus à ça, enfin moitié comme ça, un petit peu en vrai. Sauf que bon, j'ai pas trouvé. Et puis, vu la largeur, en fait, bon, c'est vrai qu'à Google Maps, c'est pas évident pour savoir les bonnes largeurs. Donc bon, j'ai pris ce qu'elle a. Bon, c'est, je trouve que bon, ça va, ça rentre très bien. Bon, j'ai encore quelques réglages à faire. Hein. J'ai beaucoup, voilà, comme vous pouvez voir, par là. J'ai, voilà, le rail qui dépasse un petit peu sur le sol. Bon, il va falloir que de toute façon, je vais monter un petit peu la texture là. Et bon, il y a quelques petits trucs encore que j'ai à régler, mais là, ce que je vais surtout régler, parce que j'ai fait un test tout à l'heure, donc avec la fameuse BB 26000 de Sim Express, comme vous pouvez le voir avec ces belles voitures corail. Bon, voilà, hein, j'ai fait une petite compo vite fait pour voir un petit peu ce que ça donne, enfin, pour voir ce que ça donne sur ma ligne, enfin, sur ma future ligne. Donc ouais, voilà, il y a aussi les rails encore là que j'ai pas encore rajouté, il va falloir que je rajoute ça tout à l'heure. Il va falloir que j'en rajoute parce que là, normalement, si ça veut bien, c'est assez galère d'activer ce truc là. Hop. Donc c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas, disons que c'est pas aussi clair que que Google Maps, comme sur, enfin, sur le site, enfin, sur le navigateur, c'est pas aussi clair. Vous voyez, non, là, on voit pas très bien, mais normalement, en vrai, si vous voulez, il y a des voies ici, des voies de garage. En fait, il faut que je relie là, la voie de garage et à cette voie-là, en fait. Ouais, je crois que c'est ça. Normalement, en vrai, j'avais vu à partir d'une vidéo. J'avais vu à partir d'une vidéo que. Enfin, moi, je mets beaucoup de certaines vidéos cabride sur YouTube pour créer ma ligne parce que c'est pas évident. Disons que j'habite pas dans le coin, j'habite à l'autre bout de la région. Donc bon, voilà quoi. J'habite en Normandie, mais c'est pas la même Normandie. Moi, j'habite de l'autre côté de la Normandie. J'habite plus vers la Somme. Donc bon, alors, enfin pour le moment en tout cas, pour l'instant. Alors bon, alors donc on va s'attaquer. Donc moi, ce que j'ai vu tout à l'heure quand j'ai fait des tests, il y avait des cassures que je voudrais enlever. Hop, moi j'avais vu des cassures, c'est voilà ici. Ici j'en ai vu une. Voilà, ici j'ai vu une cassure. Vous voyez, je vais vous montrer un petit peu. Voilà quoi, ces cassures, c'est vraiment très désagréable. Ça peut même faire dérailler le train. Donc sur TS, donc voilà quoi, une cassure comme ça, ça peut vous faire. Alors, soit ça fait secouer le train, soit ça fait dérailler le train complètement. Là, en l'occurrence, à 150 à l'heure, je pense que ça va le faire dérailler. Donc, de toute façon, ça va le faire dérailler, même, c'est sûr et certain. Une cassure comme ça fait dérailler le train. Donc, voilà. Bon. Donc, pour éviter de faire dérailler notre train, on va donc remonter un peu les rails pour enlever la cassure. Alors, là, je vais donc faire CTRL. J'appuie sur CTRL pour maintenir. Et hop, je relâche CTRL en espérant que ça, parce que oui, là, il est un peu têtu, hein, enfin un peu beaucoup têtu, l'éditeur de TS. Est-ce que ce... Attends, parce que
Le truc, c'est qu'il faut que je règle la hauteur là, mais il faut que je voie aussi, c'est là-bas, qu'il ne fasse pas une grosse cassure vers le haut. Bon, non, il faut que je regarde que ce soit pas trop gros comme cassure, quoi, parce que si c'est. Voilà, quoi. Bon, ça fait un petit peu, ouais, je vais baisser un petit peu. Alors, tac. Je pense que je vais. Enfin, je sais pas si je. Je me demande si je vais pas plutôt supprimer les voies, parce que je trouve que. Ça devrait être un peu plus par là, parce que là, bon, ça fait un peu. Ouais, bon, vous savez quoi? On va pas s'embêter. Hein? Et quoi, on va pas s'embêter. Alors, attendez. Je vais baisser un tout petit peu. Où est-ce que j'ai dit que j'avais. Ah oui, là, c'était là-bas. C'était là-bas. Alors, je baisse un petit peu là. Attends, je vais baisser un peu là, parce que. On va pas faire aussi. Oh, punaise, c'est pas vrai ça! Voilà, ça c'est le truc de TS que je n'aime pas. Bah, c'est quoi, je vais pas me prendre la tête. Pff, ça c'est. Hop, je supprime. Ah, ça c'est vraiment. Mais ça c'est. Ah, c'est énervant, la pose des rails. De toute façon, tout ce que vous faites, enfin, tout ce qu'on fait en fait en création de ligne, je peux vous dire que c'est. Bah, c'est pas pour du combattant, hein. C'est comme Blender, là. La création Blender, parce que bon là j'en ai fait quelques-unes, bon j'ai pas encore refait la guerre de Barfleur, de Barfleur, je suis encore sur mon ancienne ligne, la guerre de Bayeux, là je fais donc de Bayeux jusqu'à Cherbourg, pour cette première version, après voilà j'ai l'intention bien sûr de rallonger ma ligne, voilà quoi, j'aimerais bien réussir à rallonger la ligne, voilà je fais petit à petit pour l'instant, mais Bayeux-Cherbourg ça fait à peu près 100 km, c'est très bien, franchement je vais vous dire, bon là déjà une bonne heure de conduite, c'est très très bien, sachant que de Caen à Cherbourg on met 1 h 30 en train, en intercité, enfin intercité ou TER, hein, on met 1 h 30, mais après bon c'est après c'est des kilomètres, alors on va remettre, excusez-moi, on va remettre, je vais rechercher, parce que du coup j'ai pris des voies de la ligne Koblenz Thiers. Parce que je trouve qu'elles sont très bien, comme on voit, elles sont ni trop bruyantes ni trop silencieuses. Et ouais, parce que les voies FR, le problème, elles sont belles, hein, mais le problème, c'est que ça fait vraiment un bruit, mais vraiment très désagréable. Enfin, si vous voulez, c'est que ça fait un passage d'aiguillage en permanence. Donc du coup, c'est pas évident, quoi. Voilà, je vais faire ma petite technique, je vais aller en dessous. Voilà, parce que vous voyez, on voit bien aussi, hein, je fais ma petite technique. On va voir en dessous comment ça se passe, comment ça se présente. Voyez, alors attendez, toc toc toc, hop là, en espérant que peut-être que je devrais, parce que en vrai ça passe au-dessus de la route, donc comment je vais faire ça? Bonne question. Bon, ah, en fait, faut que je relève les rails qui sont là. En fait, faut que je les relève. Faut que je les relève là. Là, je les relève pas trop haute parce que sinon ça va faire une cassure. Et j'aime pas les cassures, c'est très désagréable. Bah, soit ça fait secouer le train comme je ne sais quoi, soit ça le fait dérailler. Donc, faut vraiment que les cassures, enfin, faut vraiment les éviter un maximum possible. Voilà, l'occurrence, c'est ici. Là, c'est bon. Pas trop cassé, enfin faut pas que ça fasse trop cassure non plus, ouais, parce que normalement bon, en vrai ça devrait passer au-dessus, donc j'ai peut-être attends, je vais peut-être, est-ce que je peux essayer, est-ce que je peux essayer de remonter un tout petit peu, enfin, des fois faut être, voilà, c'est des fois ça peut marcher au minimum près, enfin ça dépend, alors on va voir, parce que là il faut ni trop haute ni trop basse, voilà, ouais, ça c'est qu'est-ce que ça donne. Ce que ça donne en vrai. Attendez, j'ai enlevé la map, Google Maps si c'est possible. Voilà. Alors, voyons voir. Voilà, moi ce que je fais donc dans mes créations de ligne, moi ma technique c'est d'abord je pose les rails, ensuite je pose les, enfin ensuite je pose les décors. Enfin d'abord je pose les rails, après je fais la signalisation et après je dépose la décoration pour le final. Toujours sert. Voilà, c'est comme ça que je fais pour mes créations de ligne. Ça a pas l'air ça va, ça a pas trop l'air méchant, ça va, bon. Alors, hop là, donc je préutilise, alors c'est pareil, j'ai utilisé une règle de voie 25,
Parce que, disons, pour les courbes, en fait, pour que les courbes soient, disons, pour les petites, vous voyez, pour que les courbes, je puisse les faire un peu plus serrées, parce que, bon, il y a des règles de voie qui sont beaucoup plus, où les courbes sont moins élevées, quoi. Enfin, disons, où c'est très rectiligne, bon, j'aime pas trop quand c'est trop droit, bon, parce que des fois, il y a des moments, bon, ça tourne quand même assez, bah, c'est surtout quand on arrive en gare, voilà, quoi, c'est pas une LGV non plus que je fais, là. Donc bon, même s'il y a des portions à 200 km/h sur cette ligne, normalement. Vu qu'il y a des 26 000 qui circulent entre Paris et Cherbourg. Hop, normalement. Alors normalement, ça devrait passer. Attendez. Alors bon. Bon, écoutez. Peut-être que je vais régler un petit. Je vais peut-être augmenter un petit peu. Alors c'est vrai que là, je vais mettre 5 degrés. De hauteur, est-ce que ça va, je pense. Faut pas que ça soit trop non plus, ni trop bas, afin d'éviter. Écoutez, on va laisser comme ça, c'est très bien. Bon, normalement là, il y a un pont en dessous. C'est pour ça, peut-être que. Ouais, ça m'ennuie beaucoup. Non, c'est bien ce que je disais. Faut que je monte un peu plus. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir que je monte là. Là. C'est pas évident la création de ligne. Vous pouvez voir que c'est. Ah, c'est. Bon, le moindre truc qui va pas. Des fois, on n'a plus qu'à tout recommencer. Enfin. Là, ça devrait être bon normalement. Attendez, on va voir. On va peut-être. Bah, du coup, faut qu'ici. Parce que du coup, là, vous voyez, la cassure, ça fait une cassure assez. Ouais. Bon, ça va secouer le train là. Donc là, je veux pas le faire secouer non plus. Hein. C'est pas très agréable. Hop, oui, on va enlever la cassure. On élève un petit peu les voies. Pas trop non plus. Ni trop bas. C'est parfait. Voilà. Bon, on va refaire tout ça. Alors attendez. Hop, on va reprendre l'outil pour faire donc les. Ah, je lag un peu. Pourtant, j'ai pas pris des voix qui bouffent en FPS. Ah bah c'est bon. Écoutez, moi je suis content du résultat. Ah, peut-être que je devrais peut-être un peu plus soulever là parce que ça va un petit peu. J'ai pas l'impression que ça descend un peu et que ça remonte. Enfin, et que ça, j'ai pas trop. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Faut juste que je regarde un petit peu par là. Comment ça se passe de ce côté-là? Ouais, voilà, c'est bien. Oh, c'est très bon comme ça. Enfin, quoique. Je suis pas satisfait. On va refaire. Je vais refaire le truc. Non. Non. Ah non, pitié, pas de self-dump, pitié, non. Non. Pitié, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, non, pas de self-dump. Ah, oh, punaise, non. Ah, oh, punaise, c'est pas vrai. Voilà ce qui se passe. Ça, c'est le cauchemar sur TS, hein, vraiment. Oh là 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 là. Bon, faut que je recommence tout là. Faut que je recommence tout. Ouais, vous pouvez voir hein, que sur TS, c'est vraiment. Voilà, on peut voir la création de ligne, ce que ça donne. Bon, allez hop. Du coup, faut que je recommence. Faut que je recommence tout. Voilà, tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Vous voyez un petit peu. Voilà pourquoi il faut faire des sauvegardes. J'ai envie de penser, ça fait une sauvegarde. Bon écoutez, c'est pas grave, hein, comme voilà ce que je me dis, de toute façon, il faut être patient, hein, ça sera mieux la prochaine fois, ça sera mieux fait la prochaine fois. Enfin, si ça veut bien se lancer, le problème c'est que ça m'a fait un. Ouais, avant c'était safe dump, hein, mais voilà, c'est je sais pas quoi, c'est une autre erreur, enfin, ils ont toujours une erreur, c'est pas possible ça. C'est des bugs qui sont toujours pas corrigés depuis le temps. Je ferme les fenêtres parce que j'ai l'impression que ça répond pas. Oh là là, c'est pas vrai.
C'est énervant. Bon. C'est quand ça veut. Bon. Il faut que je relance TS. Tac. Je le lance bien sûr en 32 bits. Hein. Surtout ne le lancez pas en 64 bits. Sur. Bah, disons que si vous faites la création de ligne. Enfin, si vous pour éditer une ligne, ne faites jamais en 64 bits parce que disons qu'il y a des bugs. Donc c'est assez complètement bugué le 64 bits. Enfin moi, bon du coup, je l'utilise en 32 bits, même si j'ai un PC 64. C'est pour juste là, c'est pour l'édition de ligne. Je trouve que c'est y a pas de bug au moins. Enfin il y a moins de bugs en tout cas, même si on a encore. Hein, on peut pas dire qu'il y en a pas. Vous voyez que là quoi, j'échappe pas aux bugs. Bon enfin. Pourtant voilà quoi, j'ai quand même. J'ai quand même pas non plus un vieux PC, mais bon. Bon, c'est vrai qu'il commence un peu à dater mon PC, mais. Enfin, daté. Bon, ça fait pas non plus. Ça fait pas non plus 10 ans que j'ai, hein, mais bon. Ça commence à faire un petit moment, mais bon, je comprends pas que ça lag comme ça. Bon, écoutez. On va pas chercher à comprendre. Alors. Bon alors, voyons voir. Tant que ça charge. Oh là 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 là. Alors vous voyez que voilà, la création de ligne, c'est vraiment un parcours du combattant. Ah, c'est vraiment en galère. Bon, après, bon la vidéo va être un peu à risque d'être longue, hein. Et bon, voilà, c'est parce que j'aime bien, j'ai envie un petit peu me partager un petit peu comment je fais pour mes créations, comment je m'y prends pour mes créations de ligne. Bon, c'est quand ça veut que ça charge. Bon, en même temps, on dirait c'est que de toute façon, plus la ligne sera, comment dire, plus il y aura de décor, plus elle sera longue, plus ça sera long à charger. Ce qui est logique. Mais c'est vrai que j'ai remarqué sur TSW, quand même, les chargements sont quand même beaucoup moins longs et les graphismes sont quand même bien meilleurs. Et bon, c'est vrai que c'est pas le même moteur graphique aussi. Mais c'est vrai que sur TSW, quand même, les chargements sont quand même beaucoup moins longs. Même si, malgré que les lignes sont comme. Bah, c'est quand même. Enfin, malgré les graphismes qu'il y a. Après, c'est vrai que. Mais bon après voilà, moi je préfère pour l'instant rester sur Train Simulator, hein, parce que bon TSW c'est très bien, moi j'aime bien comme jeu. Mais disons que si vous voulez, le truc c'est que ça me manque pour l'instant cruellement de matériel roulant. Déjà rien que déjà sur TS on est quand même, on est beaucoup, enfin il manque beaucoup de matériel roulant français. Donc bon TSW j'en parle même pas. Alors où est-ce que j'en étais, parce que, vous voyez, grosse cassure, alors là. Là, on va envoyer le... là, c'est très bon pour envoyer le train dans le décor, là. Pour faire dérailler le train, bon. Bah, du coup, on refait tout. Écoutez, ça, je vire. Je vire ça aussi. Je vire ça. Je vire tout ça, là. Toutes ces rails mal placés. Vous voyez, j'ai fait un test tout à l'heure. Je me suis rendu compte de ça. J'ai fait hop. Bon, bah, faut que je supprime. Vous voyez que là, tout ça... on va pas se prendre la tête. Hop. J'essaie de retrouver le repère. Ça, bon, j'enlève pas tout d'un coup, mais j'essaie de retrouver le repère. Hop, c'est bon. Voilà. Hop là. C'était là qu'il y avait un problème. Donc, écoutez, je fais une sauvegarde. Voilà. Comme ça, s'il y a un save dump. Enfin, j'appelle ça save dump. Si vous voulez, c'est voilà, bon, c'est le bug hein, qui faisait. Enfin, c'est le même genre de bug. Hein. De toute façon, ça fait couper TS et plus qu'à tout recommencer. Bon. Du coup, faut que je soulève pas trop non plus, mais juste assez. Ah, j'étais content tout à l'heure, j'avais bien réussi mon truc. Parce que là, du coup, c'est pareil. Ah, tout à l'heure j'étais vraiment content, hein. Je fais chouette. Ah mais attendez, c'est vrai qu'il faut que je le supprime du coup ici. C'était là que on était là. Il me semble qu'on était là, ouais. C'est ça. Ah. C'est pas un peu trop élevé là, surélevé là. Attendez, on va regarder un truc. On va vérifier ça. Hop là, attendez, je reprends les petits, c'était ici.
Oh, ça m'a l'air. Bah, ça va, c'est moins. Déjà, c'est moins tordu que tout à l'heure. On va remettre un petit peu. On va remettre le terrain à niveau. Hop, on utilise ce petit outil. Et sur rail, c'est bon, je l'ai mis à 100. Ça, hop. Hop. Hop là. Parce qu'en vrai, normalement, c'est quand même un peu élevé, quoi. C'est pas. Enfin. Ah, c'est assez dur à reproduire comme en vrai. C'est assez dur à reproduire comme en vrai. Donc bon. Attendez, 5 secondes. 2 minutes. Excusez-moi. Voilà, bon. C'était l'époque qui n'arrêtait pas de s'ouvrir, j'en ai marre. Bon, c'est bon. Alors, où est-ce que j'en étais? Ah oui. Parce que là, du coup. Oui. Du coup, voilà. Ah, c'est déjà un peu mieux. Donc là, on va faire une sauvegarde. Hein. Je préfère. J'ai pas envie de recommencer tout. Hop, alors, on va prendre des rails. Bon, je vais prendre celle-là. Normalement, c'est celle-là. 150. Moi, je mets 150 pour l'instant. Je mets 150. Je sais pas trop les vitesses limites sur ce tronçon. Là, j'ai enlevé le degré 5 parce que j'ai mis 5, mais on va mettre à 0. C'est quand même mieux. J'active Google Maps. Alors, pour activer Google Maps, hein, comme dans ma précédente vidéo, je l'avais dit, c'est CTRLG, mais bon, c'est quand ça veut. Alors, il faut appuyer plusieurs fois quand ça marche pas. Voilà, c'est bon là. Normalement, je devrais l'avoir. Attends que ça change. Voilà. Donc là. Alors, on peut pas faire non plus ultra précisément comme ils font, comme l'ont fait DTG. Enfin, parce que eux, DTG, c'est vrai qu'ils arrivent à faire précisément, je sais pas comment. Mais bon, je peux pas y arriver à faire précisément, parfaitement les rails comme en vrai. Hein. Donc bon, je suis désolé. Bon, j'essaie de faire du mieux que je peux. Attendez, on va essayer. Comme ça. Voilà, parce que là, vous voyez, bon, c'est un petit peu à côté, mais bon, je fais vraiment du mieux que je peux. Je peux pas faire parfaitement parfait. Vous voyez, bon, voilà, on va essayer de rejoindre. Enfin, j'essaie de faire à l'à peu près, alors que je peux. Voilà, ça c'est quand même mieux comme ça. Normalement, je sais pas où je suis. où est-ce que je suis là? Attendez. Est-ce que je suis sur les. Parce que bon, je peux pas non plus faire complètement côté, mais je peux pas faire non plus parfaitement. J'arrive pas. Voilà, bon, c'est pas parfaitement sur dessus, mais bon, j'essaie de suivre le tracé du mieux possible. Hein. Parce que c'est vraiment, on peut pas. En fait, on peut pas vraiment faire parfaitement comme on ferait. Là, normalement, c'est une ligne droite, donc. Normalement, attendez. Je me trompe pas. Alors, attendez, on va tourner un petit peu là. Et là, normalement, donc là, normalement, c'est une ligne droite. Donc là, oui, là c'est une ligne droite. Donc là, alors pour faire une ligne droite, je vais vous expliquer un petit peu. Hein. Donc là, on appuie sur CTRL. En fait, il faut que ça soit jaune. Voilà, comme ça. Non, non, là c'est pas bon. CTRL, mais il faut qu'en fait que ça soit jaune. Là, c'est pas droit. Là, c'est droit. Bon, écoutez, on va juste je vais quand même en passer un petit coup là pour voir un petit peu où je suis. Elle est où? Ouf, un petit peu à côté. Bon, ouais, je suis à peu près pas chipoté pour 2 cm. Hein. Voilà, ça se verra pas trop quand on sera sur le. C'est vrai quand on. Attendez, moins que. Attendez, quoi que, attendez, vous savez ce que je vais faire. Je vais voir un truc. Hop. Où est-ce que j'ai merdé là-dedans? Ah, j'ai fait le virage pas assez serré, c'est ça? Bon, écoutez. Pas grave. Y a pas de problème. Ah, c'est. Ouais, non, parce que bon, c'est un petit peu à côté quand même. Mais bon, je peux pas faire parfaitement dessus, hein. Mais bon, je fais comme je peux. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment une galère à poser les rails, mais c'est. Ah, je peux vous dire que la décoration, c'est pas aussi simple que ce qu'on peut penser. Moi, je pensais que c'était simple de poser une décoration sur TS. Bah, je me suis bien trompé, hein, parce que poser une décoration sur TS, c'est vraiment. Mais voilà, c'est le parcours du combattant. On va s'aider un petit peu de Google Maps. Voilà, je vais. Hop. Pas eu. Voilà,
bien gardé. Là, normalement, ouais, normalement, là, on passe au-dessus de la route. Là, en vrai, on passe au-dessus de la route. Là, je regarde un peu comment c'est. J'essaie de m'aider un petit peu là. Bon. Là, on passe en dessous de la route. Donc là, normalement, on passe en dessous. Donc là, c'est bon, je suis très bon là. Je vais pas. Là, je ne mets pas. Vous voyez, des fois Google Maps sur TS, c'est pas forcément aussi bien précis que le vrai Google Maps, enfin que Google Maps sur Google, quoi. Alors, voyons voir. Alors, normalement. Attendez, je vais peut-être. Je vais amplifier un petit peu là. Voilà. Même si j'amplifie, bon, on voit pas non plus grand-chose, mais on voit un petit peu mieux là. Il faut que je voie les rails et le tracé également. Hop là. Aïe, excusez-moi. Alors, voyons voir. Là, normalement. Alors, là, normalement. Je tourne un petit peu. Ah, oh, c'est pas vrai. Eh, qu'est-ce qu'il me fait? C'est pas bon. Ah oh là là là, c'est pas possible, ça s'éraille. Bon, écoutez, on va recommencer. Est-ce que là. Bien sûr. J'arrive pas à savoir si je suis. Ah, peut-être que ça sera peut-être plus simple. Voilà, là je suis dessus, c'est bon. Donc là, écoutez, on va regarder ça maintenant un peu plus près. Là-dedans. Est-ce que je peux faire des courbes plus longues? Parce que là, pour l'instant. Là, normalement. Normalement, c'est une ligne. Mais attendez. Ah, normalement, c'est une ligne droite. Qu'est-ce qu'ils me font? Pourquoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait là? Écoutez, on va regarder ça tout de suite. Hop. J'ai bien suivi le tracé quand même là, sur ce côté-là. Mais oui, on voit pas très bien les rails. Je suis obligé de baisser un peu. Ah, pour savoir un petit peu. Bon, je suis pas obligé de baisser à ce point-là, mais. Voir que je suis bien suivi du que je pouvais là. Alors, je fais une sauvegarde. Il faut, alors ça c'est un conseil que je vous donne, si vous vous mettez à la création de ligne, faites des sauvegardes régulièrement parce que vous voyez j'ai on peut ça peut vous arriver d'avoir des bugs comme ceux que j'ai pu avoir, voilà, comme ce qu'on a pu avoir tout à l'heure. Donc ouais non là, vous voyez je me suis mal pris. J'ai mal fait mon. Bah pourtant là je l'ai bien fait mon tracé, qu'est-ce qui m'a fait? Ah mais vous voyez, c'est. Là, je comprends pas là. Attendez. Quoi? Parce que si je fais en ligne droite, ça va là-bas? C'est ça? D'accord. Ok, d'accord. Attends, je vais monter à 150 à l'heure. Hop. Je remets les limitations à 150. Vitesse secondaire, ouais. Pour l'instant, je mets ça comme ça pour l'instant. Après, je verrai ça. Après ça pour les limitations, pour l'instant je mets à peu près 650 à peu près. Là, ça va être bon normalement. Alors
c'est très bien aussi, c'est de changer un petit peu aussi la texture des rails. Voilà, je mets des rails béton, rails, ça change un petit peu pour diversifier un petit peu enfin, le visage. J'aime bien faire ça. Alors là, normalement, hop. Hop. Ah, ce que, ouais, du coup, là, ça devrait être bon. Ah, ouais. On va marquer. Pas évident hein, à placer. J'espère que je suis pas à côté de la plaque. Oh, je suis un petit peu. Bon, je suis à peu près. Hein. Attendez, je vais augmenter un peu l'opacité de la ligne du truc. Et je fais à peu près comme je peux. Et toute façon, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que ça donne? Ouah, c'est pas totalement droit de chez droit. Oh là là. Pas totalement. Non, je suis pas satisfait là. J'aime bien quand les choses sont bien faites. Non, c'est vraiment faire l'arrache là. C'est pas possible ça. Parce que normalement là ça tourne et là normalement, je suis censé aller tout droit. Attendez. Je supprime la ligne. Ah, c'est pas évident, hein. On peut voir que c'est vraiment pas évident pour une ligne, même une ligne fictive. Hein. Vous savez, une ligne fictive, c'est pareil. À moins que, alors, à moins que vous vouliez faire une ligne fictive sur ligne, sur du terrain plat et non pas sur un bord de terrain réel. Mais sinon, ouais, sinon, ouais, c'est vraiment une vraie galère. Hein. On va faire. Là, j'ai pris quoi là? Je suis dedans, c'est bon. Donc là, et normalement, là, je suis en ligne droite. Je sais pas qu'est-ce qui me, je sais pas ce qui me sort. Que j'ai pas. Attendez, est-ce que je peux baisser un peu plus? Ouais, c'est vraiment vite fait que je peux baisser. C'est vraiment vite fait. Bon, ouais, on peut remarquer que je suis vraiment pas. J'enlève mes rails ici. Je vois plus mes rails là. Voilà. Est-ce que sont les rails? Voilà, sont là. Vous voyez là. Alors là, ce qu'on va faire. Je vais couper la voie ici. Non. Attendez, on va utiliser le mètre. Toc. Six quarante là, faut que ça fasse 36,48. Bon, à peu près, de toute façon, c'est à peu près là. C'est pas. Ah. Attendez. Ah oui, parce que c'est pas. Vous voyez, c'est pas. C'est le cube, c'est au milieu du cube que ça se fasse couper. Voilà. C'est ce que je me disais. Voilà, c'est bon. Normalement, là, je suis bon. Voyez, c'est bon.
un petit test toujours pour voir si c'est bien, qu'il n'y a pas trop de décalage, pas trop de bugs. J'aime bien voir que ce soit, j'aime bien que ce soit bien fait normalement c'est ouais. Là normalement on devrait faire une belle ligne droite normalement. On va voir ça de suite. C'est pas évident. Faut être patient, de toute façon. Je veux dire, d'ailleurs, si vous voulez écrire une ligne, faites une ligne qui vous plaise hein, et que vous vous sentez capable de faire aussi. Ça, c'est une, ça, c'est vraiment, enfin, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Bon, même si je suis débutant, hein, ouais, je sais que bon, j'aurais pu commencer. Vous voyez, j'aurais pu commencer à partir de Caen, mais si je faisais à partir de la gare de Caen, je crois que je m'en serais pas sorti. Je me sens pas capable pour l'instant. J'ai pas encore assez d'expérience. Pour faire jusqu'à la enfin pour faire pour à partir de Caen mais bon j'ai l'intention de la faire aller à Caen tôt ou tard mais bon pour l'instant voilà quoi on va se contenter de ça quoi alors attendez est-ce que regarde un petit bon. Ouais, hop, on remet des rayons bois bon. Tac 150 là je mets caténaire activé comme ça tout à l'heure on l'a ah. D'abord, je pose les rails, après je poserai la caténaire. Là, je pose les rails jusqu'à la prochaine gare. Après, c'est la gare de Lison, normalement. Enfin, la prochaine gare intercité, bien sûr, parce que et je crois qu'il y a des petites gares entre deux. Quand c'est jaune, comme ça. Ça veut dire que la ligne est droite. De toute façon, on vérifie toujours que ça suit le tracé. C'est vraiment pratique ça. Voilà. Ouais, ça suit à peu près le tracé. Hein. Bon. Faut juste que ça puisse. Faut pas que ça se décale trop vers là-bas. Parce que Cherbourg, hein, sinon on va se retrouver à je ne sais pas où là. On va se retrouver dans la Manche. bon. Allez hop. Bon, allez. Bien. Petit à petit pour voir ce que ça donne. Il faut pas que ça dérive trop. Là, ça commence à dériver un petit peu. J'ai hâte d'arriver au virage. Où le virage. Ouais, c'est bon, les prochains virages, on y approche. C'est quoi, c'est trop ligne droite comme ça. Ça a l'air simple hein, quand c'est la ligne droite, mais c'est pas si simple que ça. Hein. Remarquez, c'est vraiment pas simple parce que non seulement vous avez une ligne droite, mais après vous avez un virage et après vous avez une ligne droite. Bon, du coup, c'est pas évident. Hein. C'est limite plus. Moi, je trouve que c'est limite plus facile quand il y a beaucoup de virages. Que quand il y en a peu, parce que bah, c'est ça le problème de la ligne droite, hein. C'est qu'il faut vraiment que ça soit droit de chez droit, donc c'est pas évident, quoi. Vous voyez, ça c'est on a vite fait à dériver, quoi. C'est pas... Oula. Ouais. Ah, c'est bon, on arrive. Ah, je suis content là, on arrive, bon, je vois mieux maintenant. Voyez, hop, on rejoint un petit peu la ligne. Tac. Ah, je suis content là. Là. Par contre, c'est un petit peu la hauteur qui me. Quoique après, peut-être que. Attendez. Pas compliqué à savoir. Non. Ah, punaise. Allez, 2 minutes. Je crois qu'il va falloir que j'abaisse un petit peu la voix. Il me semble que je vais abaisser un petit peu la voix.
éviter la casse parce que là, à mon avis, il y a des cassures aussi. Attendez. Avant de faire quoi que ce soit, je sauvegarde. Voilà. Je préfère. Un petit peu, pas trop, peut-être pas trop non plus. Voilà, c'est parfait comme ça. Attendez, là normalement, je vais vérifier, mais normalement, ah, sinon, bah, je vais baisser un petit peu. Faut enlever les cassures. Ah, faut pas qu'il y ait de grosses cassures. Voilà, ça va. Bon, ça m'a l'air bien. Bon, ça m'a l'air bon, c'est parfait. Toc, je sauvegarde. Voilà, là c'est clair. Par contre, ça c'est à chaque fois que je galère à faire un truc, j'aime bien c'est sauvegarder comme ça au moins. Parce que ça m'est arrivé ça. Hein. Des fois, je galère à faire quoi que à faire un truc, bah, comme tout à l'heure, vous voyez, hein, j'ai fait un truc, puis hop, paf, save dump, et c'est bon. Et tout l'applicateur commencé. Bon, pour ça qu'il faut vraiment être patient quand on crée une ligne. On peut pas la créer en 2 jours. Là, la maligne, là, à mon avis, si tout se passe bien, si j'ai pas trop de bugs et de machin et de problèmes, la ligne devrait être disponible d'ici juin, juillet, ou enfin d'ici cet été, quoi, d'ici l'été prochain, normalement. Si tout se passe bien, voilà, d'ici l'été prochain, à mon avis. Donc, bon. Vous voyez, je pense que. Parce que j'ai quand même 100 km à faire. Mon ancienne ligne, qui a fait, c'est un réseau quand même de 30 km. J'ai quand même mis de juin jusqu'à fin octobre, début novembre. Donc, vous voyez, j'ai quand même mis un bon bout de temps avant de la terminer. Donc. Pas trop paysage comme j'ai fait, mais bon. Ouais. Bon, pour l'instant ça ressemble à pas grand chose, hein. Ça prendra forme quand on va poser la caténaire, la signalisation. Là, après, prochaine étape, je pose la caténaire, et après la caténaire, je pose la signalisation, et après la signalisation, je pose la déco. Mais bon, je peux vous dire que chaque chose est longue à faire dans TS, hein. C'est vraiment tout est long dans TS à faire. C'est pas même la déco, hein, ça paraît simple à faire et tout. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Voilà, c'est vraiment très long. Bon, après, c'est... Bon, c'est quand même plus simple que la pose des rails, hein, ça, je l'avoue, mais c'est quand même hyper long à faire. Voilà, faut être précis, enfin, c'est vraiment, faut être précis et tout. Quand on pose un bâtiment, que ça se fasse pas. Pardon, excusez-moi. Pour pas que ça fasse des arbres volants, pour pas que ça fasse. Des objets volants, enfin vous voyez, ou des objets trop enterrés, enfin voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Bon, on a l'air bon pour l'instant. Bon, on va continuer. Hop, alors c'est pareil, hein, la texture, on va aussi travailler aussi de la texture également du terrain, hein. Mais ça, on fera ça. Enfin, je vais faire ça juste avant de poser la caténaire. Je vais faire la texture du terrain, mais au niveau des rails, pour enlever un petit peu l'herbe, parce que là ça fait vraiment bon, là ça fait un peu moche. Enfin bon, après vous me direz, si c'est une ligne de fret ou je sais pas, une ligne de vraiment, vous savez, on peut, c'est vrai que c'est sympa aussi ce genre de décor, mais sur des lignes anciennes, vous savez, de fret, des fois qui sont plus utilisées depuis un moment ou qui sont utilisées très rarement, enfin il y a des lignes comme ça, des fois qui c'est très très sympa. Il y a des personnes, d'ailleurs il y a une personne sur le forum là qui c'est Tali07 là, qui est en train de faire une ligne, bah, qui est quand même bien, enfin qui a l'air bien sympa quand même comme ligne, c'est premier, ouais, c'est voilà, c'est une ligne belge. Bon, il n'y a pas beaucoup de lignes belges sur la ligne, mais là, j'aime bien son ambiance de quand même sur avec les herbes sur les voies, ça a l'air vraiment sympa, enfin, moi j'aime bien, ouais. Voilà quoi. Bon, je dis pas ça pour jeter des fleurs, hein, mais je le dis vraiment, là, c'est vrai quoi. Bien, ah, c'est sympa quoi. Il y a des gars dans le forum qui font même des jeux très sympas quand même.
en ligne. Il y a aussi la Belgian Rail aussi, le projet là, qui est un bon projet aussi de Escalouis, si je me trompe pas, c'est Escalouis, oui, c'est Escalouis qui le fait, qui fait ce projet, il me semble. Mais ouais, qui est très très bien aussi comme projet pour moi. Allez, je vais l'utiliser avec mes règles de voix. Je teste. Ouais, c'est bon, c'est celle-là. Bon, mais à 150, hop, ouais, qui font vraiment de trucs très très sympas. Après, oui, c'est vrai qu'il y a des choses, bon, sur le forum, c'est vrai qu'ils se sont passés en ce moment, il y a très peu de temps. Bon, il y a eu un souci avec la GCV4. Attendez, on n'est pas au virage là? Ah, bah non, ouais, bah. On a une droite. Il y a eu un souci avec la GCV4. Oui, bon, parce qu'il y avait, bon, il y a eu, voilà quoi. Du coup, bon, c'est parti en vrille le sujet. Et du coup, bon, la GC n'est plus disponible sur RACIM.fr, ce qui est vraiment bon, dommage. Bon, après, hein, c'est le choix de ceux qui ont posté, voilà, hein, qui veulent enlever. Bon, bah, s'ils l'ont enlevé, c'est leur choix. Ah oui, et là, par contre, je vais mettre, ouais, chacun. Je vais dire après, bon, voilà, pour après. Après, je respecte leur choix, hein, mais bon, après voilà. Si jamais vous voulez aller avoir la GCV4, bah, n'hésitez pas à m'envoyer des MP. Hein, voilà, bon, je l'ai disponible sur un hébergeur. Hein, je la publie pas parce que, bon, voilà quoi. C'est quand même, comme c'est pas mon boulot à moi, je ne publie pas sur le forum. Mais bon, si vous la voulez, la GC, voilà quoi, vous pouvez me MP. Alors, c'est GG. Hein, voilà. Vous pouvez aller sur le forum RACIM.fr, et puis vous MP, et puis moi, pas de souci, je vous l'envoie, et puis voilà. Donc voilà. Alors, je vais m'éloigner un petit peu du terrain histoire de pas faire trop bugger. Parce que là, c'est du terrain plat, on va faire un import DEM. Hop, là, j'importe le terrain réel 19 par 19, import des terrains DEM. Moi, j'aime bien en 19 par 19. Comme ça, on voit pas trop. J'aime pas quand on voit trop les carrés. Voilà. Bon. Là, faut que je retrouve maintenant mes rails. Je retrouve maintenant mes rails. Oh, bah, ils sont ici. Pas trop bouger. Ouais, du coup, oui, c'est vrai que c'est vraiment dommage qu'ils ont. Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Attends, qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Excusez-moi. Voilà. Ça c'est pareil. Merde, non. Pas ce que je voulais faire. Non, ça c'est le paysage. Ça c'est. Voilà. Je remets. Ici, donc ouais, non, c'est vrai parce que bon, il y a eu un bon, voilà quoi. C'est que bon, voilà. Après, donc ouais, parce qu'en fait, sur forum RACIM.fr, si vous voulez, bon, je vous explique un petit peu ce qui s'était passé. En fait, c'est bon, on était plusieurs à avoir. Bon, il y a eu des plaintes en fait sur la GCV4. En fait, il y a eu des bugs, enfin, certains bugs en fait au niveau de certains des aiguillages, apparemment, enfin, d'après ce que j'ai compris. Et bon, on en avait discuté sur le sujet, et puis bon, finalement, c'est parti en vrille, et puis du coup, ils ont enlevé, ils l'ont retiré du forum, et du coup, bon, là, j'ai eu un gars, d'ailleurs, j'ai eu un gars d'équipe qui m'a dit que, c'est Toto, d'ailleurs, qui m'a dit, du coup, que ne sera plus disponible sur le forum Racim, hein, mais bon, elle sera peut-être, voilà, je sais pas en fait, si elle sera, enfin, comment dire. Enfin, voilà quoi, pour l'instant elle est pas disponible sur le forum Racim, de toute façon. Il m'a dit que du coup ils la remettront pas quoi. Donc voilà, donc si vous voulez l'avoir la GCV4, voilà quoi, il va falloir que, si vous voulez, n'hésitez pas à me MP ou à MP une personne qui l'a, hein, pas forcément moi, mais d'autres personnes qui l'ont aussi, qui peut-être que, enfin, je pense qu'ils auront aussi la gentillesse de vous le partager. Donc bon. J'aime pas trop, ça fait vraiment. Bon, écoutez, bon,
Allez, c'est ça pour l'instant, excusez-moi. Non, parce que je regarde la texture des. Enfin, la texture. Ça fait vraiment carré. Ah, ça fait bizarre. Ah, ça fait bizarre. Bon, écoutez. De toute façon, après, je pense qu'avec la décoration, ça va changer un petit peu. Hein. Bon. On est plutôt pas mal. Là. Des chocolats de verre qu'il y a aussi. Bon, je pense que d'ici 20 minutes, je vais stopper la vidéo. Bah, je pense que je vais essayer de la faire aller à l'ISON et puis on va s'arrêter là. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu la pause là. On aura fait la pause des rails. Bon, bah, après, je pense que la prochaine vidéo, bah, j'irai bien. Est-ce qu'on en sera hein. Ça dépend de moi, parce que de mon côté, j'avancerai un petit peu aussi. Oui, du coup, j'explique. Du coup, bon. Bon, après, sinon, c'est quand même bon. Après, sinon, c'est un forum bien sympathique. Hein. C'est juste que, bon, après, ça arrive, hein, des tensions. Ça arrive d'avoir des tensions, des fois, de temps en temps. Mais bon, généralement, ça se passe bien. Généralement. Alors, moi, c'est pour ça. Sinon, bah, il y a longtemps que j'y serais plus sur ce forum. Hein. Bon, c'est vrai qu'à un moment, j'avais hésité à partir, mais finalement, je préférerais rester, quoi. Je me suis dit, bon, après, c'est des tensions, ça arrive, hein, sur tous les forums. Enfin, je pense que dans tous les domaines, hein, y a toujours des tensions, hein, tôt ou tard. Hein, bon. Pas m'en arrêter là. Moi, j'aime bien partager mon travail que je fais. Bon, j'aime bien aussi en apprendre des choses parce que je suis débutant aussi. Hein. Voilà, je répète, hein, je débute dans la création de ligne. Donc, voilà, je suis pas un expert non plus en création de ligne. Mais c'est intéressant. C'est intéressant à savoir comment on fait pour créer une ligne. Et puis en même temps, après, une fois qu'on s'est créé notre propre ligne, on peut faire vraiment, on peut s'éclater. Enfin, là, moi, je m'éclate à faire une ligne normande. C'est vrai que ça manque cruellement de ligne normande sur TS. Et je me suis dit, ça serait chouette de sortir, bah, d'en sortir une sur TS 2019, comme ça. Après, ça serait chouette, quoi. Après, il manquerait plus que les voitures corail. Après, c'est vrai que c'est. Ça, c'est pareil, le matériel roulant, bon, ça, je sais pas le faire non plus, ça. Mais bon, moi, je sais déjà pour l'instant déjà faire des objets. Je sais faire des objets, mais. Oh là, punaise, c'est un petit peu trop là. Oui, c'est un petit peu trop. C'est un petit. Oh là, fouf. Bon. Excusez-moi, on va baisser un petit peu le truc. Ouais. Ouais. Je parle, mais. Oh là 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 là, c'est une catastrophe là. Ouais, parce que là, je passe sous. Non, il passe. Oui. Non, là, le rail, il passe sous le pont. Donc là et là. Non, non. Attendez. Là, là. Oh merde. Alors c'est pareil, parce que ça c'est un petit problème aussi. Là, ce qu'il faut faire c'est on va sur dessus et on fait supre. Ouais, va. Appuie dessus, supre, hop, supre, supprimer, parce que ça c'est le moyen de supprimer les, et on pourrait en rajouter quand on peut en supprimer. Alors là faut lâcher CTRL bien sûr, et hop, bon, faut toujours faire des sauvegardes, hein. Faut vraiment faire des sauvegardes très régulièrement, c'est vraiment un conseil que je vous donne, hein, parce que, là, par exemple, bon, là je termine ça, je vais faire une sauvegarde. D'ailleurs, en parlant de sauvegarde, comme ça, on sera au clair dessus. C'est pas ici que j'ai une cassure. C'est plus là. Ouais, c'est là. Là, j'en ai une. Alors, je clique 3. J'en mets. Toc. Toc. Je lâche CTRL. Un petit peu quand même. Après, faut que je vérifie. Vous voyez, c'est tout le long parce que des fois, faut que ce soit vraiment parfaitement bien fait, quoi. Bon, bon. Faut pas que ça soit de trop grosses cassures. Bon là, en l'occurrence, là, ça passe. Ça va. C'est super. Là, je sauvegarde. Alors. Ah non, à pitié, ne me fais pas un save dump. Ah, ça plante. Ouais.
Ouf, voilà, j'ai eu peur. Bon, petit moment de panique, mais c'est bon, rien de grave. Ça va, tout est rentré dans l'ordre. Waouh, qu'est-ce qu'il me fait là? Tout est rentré dans l'ordre tranquillement. Hop, 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 hop. Voilà, bon, j'espère que d'ici 20 minutes, je vais avoir réussi à faire aller la ligne jusqu'à Lison. Ensuite, voilà, après, je pense que ça serait bon pour cette vidéo. Voilà, moi, j'aimerais que dans 20 minutes, la vidéo soit terminée. Enfin, il ne faut pas que ça soit trop long non plus, parce que sinon, je risque de faire, ça risque d'être une vidéo soporifique, comme on dit. Bon, je veux pas non plus que ça soit trop long, mais j'aime bien partager un peu le travail que je fais sur ma ligne. Donc là, hop. Donc sachant là c'est donc là c'est Bayeux-Cherbourg que je suis en train de réaliser sur TS. Comme ça sera parce que c'est vrai que c'est ça, c'est vrai que bon, ce qui est bien, c'est qu'on a la 26 000 qui est sortie, les BB 26 000 de Sim Express. Franchement, le prix il est vraiment très abordable. Alors c'est vrai que à première vue on dirait que ça ouais, on pourrait penser que c'est cher, mais en fait c'est vraiment pas cher quoi, pour ce que c'est. C'est vraiment, il y a toutes les fonctions comme en vrai. Bah, c'est vraiment c'est très très belle le coffre, vraiment vraiment vraiment. Si vous voulez, voilà, je vous partage un peu mon avis. Je sais où est-ce que j'en suis. Bon, écoutez, on va suivre le... Ah oui, d'accord. D'accord, là on passe une ligne droite, là on passe sous un pont, on passe au-dessus d'une route. Attendez, je dis pas une connerie. Non, plutôt à côté d'une route. À côté ou en dessous, je sais pas. Attendez, on va regarder ça. Oh, ouais, pas très bien. C'est toujours bien de regarder les Street View aussi. Ouais, bon, on passe à côté là. Ah, c'est loin chargé. Parce que c'est pareil, Ah bah, c'est des rails béton. Bon, écoutez, hein. On va pas chipoter, moi, je vais mettre des rails béton. Parce que voilà, vous voyez, je me sers aussi des... Voilà, de cette vidéo Cab Ride. Qui est très, très... Enfin, voilà, c'est fait en plusieurs parties. Et je trouve que c'est très bien fait, franchement. Donc là, non, ouais, du coup, faut que je fasse... des voix... Bah, faut que je fasse des voix plus basses. Non. Oh, une cassure, merde. Et c'est plutôt là qu'il faudrait que je baisse, parce que si je monte là, le problème c'est que... Attends, c'est là que j'ai vu une cassure. Oui, c'est là. Non, supprimer. Voilà. Tac. Tac. Attendez. Parce que voilà, vous voyez aussi ici comment c'est. Voilà, c'est pas évident de poser des rails, hein. Ah, les gens qui disent qu'on peut faire une ligne de 200 km en 2 jours. Non, c'est pas possible de faire 200 km en 2 jours. Non, là c'est pas possible. Non. Là, vous voyez. Rien que pour faire 10 km, vous savez que rien que pour 30 km, j'ai mis quand même. Pourtant, en bossant bien dessus, hein, j'ai quand même bien bossé dessus. J'ai fait juin, juillet, août, septembre. Ah, j'ai quand même mis presque 6 mois, hein, pour faire 30 km de voie, décorer et tout, avec le tout. Hein, sans parler après, sans compter le temps que j'ai passé sur Blender pour comprendre comment faire. Comment créer, parce que je voulais créer des panneaux de gare. Bon. Sans compter le temps que j'ai passé pour prendre des cours de Blender un petit peu.
pour bon aussi de demander des conseils à d'autres créateurs, parce que ça c'est très bien ça aussi sur ce forum, c'est voilà de partager ses créations puis savoir comment on fait voilà. Parce que du coup après il va falloir que je crée aussi la guerre de comment de Bayeux sur Blender. Après voilà bon c'est vrai qu'il me faudra des photos. Alors si vous bon si vous avez des photos de la guerre de Bayeux, Lison, Carentan, Valognes et puis Cherbourg aussi, si vous avez des photos, n'hésitez pas à me les partager sur le forum RiceIMFR. Je serais très ravi voilà quoi, ça me serait d'une grande aide. Ça m'aiderait beaucoup. Ça m'aiderait beaucoup. C'est vrai que ça me serait d'une grande aide quand même. Ouais, parce que c'est vrai que c'est vraiment pas évident. Parce que si vous voulez, pour créer en fait un bâtiment réel sur Blender, il faut avoir des photos de bâtiments. C'est pareil pour les reskins. Alors les reskins, je sais pas trop les faire pour l'instant. Je sais mettre les textures sur Blender, mais je ne sais pas faire les reskins de train. Ça, c'est pas encore mon domaine. Hein. Pour l'instant, moi, je suis plus dans le débutant. Je suis dans le débutant. Je fais partie des débutants. Bon. Non, mais c'est pas ce que je voulais faire. Ah oh, non, ça se moque de moi là. On se moque de moi. Je crois que je vais pas y arriver, je sais pas pourquoi. Ouais, déjà, ouais, en 10 minutes, la gare de Lison, je sais même pas où c'est. Ouais, je crois que là, à mon avis, la gare de Lison, je sais pas si ça va être possible à faire ça en 10 minutes là. Hein. Bon, écoutez, bon, je termine ça et je pense que ça va être bon pour la vidéo. Ah, qu'est-ce qu'il me fallait? Bon, écoutez, non, c'est pas ça. Non, 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 c'est pas ça que je voulais. Quoi? Ah, si, si, c'est ce que je voulais. Je dis. Donc là, je suis à 30, 80, 84. Donc là, il faut que je redescende à 30. Là, attendez, je suis à. Non. 39, 84. 39, 92. Voilà. Parfait. Sauvegarde. Ah oui, c'est pas évident hein. Pour créer une ligne, c'est vraiment pas évident du tout. Et alors les créations Blender, je peux vous dire que c'est pareil hein. C'est pas si simple que on peut penser. Création Blender, c'est pareil, parce que vous voyez, tant que je crée les choses sur les trucs sur Blender, parce que c'est pareil, il me faut. C'est pour ça qu'il me faut des photos. Il faudra des photos des. Bon, le problème c'est que moi, comme j'habite pas dans la région, je peux pas avoir de photos. C'est pas comme si j'avais fait une ligne qui était. Comme c'est pas dans ma région. Ah, c'est dans ma région, mais c'est l'autre bout de la région. Ça a plus de 400 km de chez moi. Enfin, plus de 300 km de chez moi, au moins. Donc bon. Du coup, bon. C'est vrai que. Et puis c'est vrai que bon, je suis jamais allé dans ce coin-là en train. Enfin, je suis déjà allé à Bayeux, mais pas en train, quoi. Donc bon, et c'est vrai qu'après je suis jamais allé sur la pointe du Cotentin, du côté de Cherbourg, je suis jamais allé. C'est vrai que j'avais été tenté d'y aller plusieurs fois, mais bon, heureusement là j'ai pas trop l'occasion d'y aller. Bon, là on est bon. Ah ben c'est bon. Voilà. Alors pour sauvegarder, hein, c'est vous faites touche F2, et puis bon voilà, bon là il n'y a rien, mais pour sauvegarder vous faites F2, et puis voilà, quoi, après vous sauvegardez. Donc là je vais sortir des voies béton, tiens. Est-ce que là c'est bon là? Ouais, c'est très bon ça. C'est bon, ça. Attends, non. BL, il me faut des BL. Ouais, c'est mieux ça. Attendez. BL, peut-être ça sera mieux. Attendez, je regarde un petit peu. Je regarde que ce soit pas. Bon, ça c'est très bon. J'aime bien. Voilà. Parce que je peux pas utiliser trop les voix françaises quoi. Elles existent hein, les voix françaises pour TS, mais comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, c'est que c'est vraiment, elles sont trop bruyantes en fait. Ça c'est vraiment le point noir de enfin c'est vraiment le truc que je trouve vraiment dommage, c'est qu'elles sont trop bruyantes.
Ah, sinon, moi, j'ai trouvé très sympa. Ah, non, mais j'aime pas le Balzac, là. Bon, écoutez. Écoutez, ce que je fais. J'aime pas le Balzac, il gris. C'est pas du gris comme ça, hein, en vrai. Ça c'est plus. Non. C'est peut-être celui-là. Je vais vérifier. Ouais, c'est celle-là. C'était celle-là. Remets 150. Restons à 150. Hein. Hop là. Là, je pense qu'il va falloir que je. Attends. Alors, attendez. Je vais mettre moins 8. Je vais pas mettre trop parce que si. Ah, c'est quoi encore? C'est quoi encore ce cirque? Et quelle heure là? Attendez, je suis en quart d'heure. Ouais, encore 10 minutes. Bon, pire si ça prendra 5 minutes de plus. J'aimerais essayer d'aller plus loin possible en direction de Lison. Prochaine station. Non! Voilà. Attendez. Je vais régler un petit peu la hauteur des voies. Alors oui, ça va faire une cassure ici, donc on baisse. Petit peu. Attends, on va baisser là. C'est un petit peu trop haut, hein. C'est même beaucoup trop haut. Donc là. Je prends celle-là et je prends cette voie. On baisse un petit peu. Et là, je veux dire, c'est à ce niveau-là qu'il faut le baisser. Donc, ouais, ça va faire des. Bon, là, pour l'instant, il y a des cassures, mais c'est normal. Je baisse un petit peu quand même parce que ça fait un peu haut là. Là, c'est ici, à ce niveau-là, qu'il faut que je. On rabaisse un petit peu. Ah, oh, c'est pas possible. Voyez, ça fait, y a des cassures là. On a les cassures qui sont là, mais là, oh, on en a des nouvelles qui se créent. On a une nouvelle qui se crée là. On va baisser un petit peu là-bas. Attendez. Je vais remettre un petit peu à niveau le terrain, histoire de savoir un petit peu où est-ce que j'en suis. C'est quand même important. Hop là. Bon, après c'est un peu normal que ça descend un peu. Hein. Ouais, c'est un petit peu là que ça casse un peu. Ouais. On peut pas non plus surélever, on peut pas trop mettre trop bas non plus. Est-ce que là c'est bon? Ouf. Bah non, je pense, à mon avis, c'est là qu'il faut que je baisse un peu. À mon avis. À mon avis, ça va être là. Il y a un temps de régler les pentes, tout ça. Ça met vraiment.
Un temps considérable. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Non! Ah merde, c'est pas vrai! Ah bon, écoutez, c'est à 38,53. On va le faire là. Voilà. C'est la mi-hauteur. C'est la même hauteur. On est un peu plus tranquille. Du coup, ouais, je passe un petit peu plus là. Vous voyez, hein, c'est une cassure, un truc. Je suis obligé de. Là, je vais juste un peu régler. Mais... Tac. Ouais, c'est en conduisant après qu'on les voit le plus les cassures là. On se rend pas trop compte, on se rend compte vite fait, mais pas autant que. Ah, je vais voir une cassure là. Je vais voir une cassure là. Il a manqué. Bon. Ah, c'est peut-être moi. C'est bon. C'est peut-être moi. Ah. Il me semble bien. Ah, si, 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 si. C'est un petit peu là. Non, oh non. Non, pitié, pas de fail dump. Je peux... En plus, j'ai même pas sauvegardé. Merde. Oh non. Bon alors. Oh là, non, non, pitié, 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 pas de fail dump. Oh non. Ah, oh, c'est pas possible ça. Et voilà. Oh, j'en ai marre de cette erreur. Bon bah à mon avis je pense que voilà bon je vais essayer de mais ça là j'essaie de retourner sur TS normalement bah j'aimerais essayer de ah oh, ça me saoule. Ouais, c'est un petit peu, vous voyez un petit peu, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça le problème, hein, c'est vraiment. Voilà, c'est. Ah là là là. Bon, écoutez, hop, c'est bon. Bon, je vais voir un petit peu où ce que j'en suis. Par contre, je vais voir un petit peu où j'en suis.
ces gens. Hein. Voyez, le temps qu'on perd quand on a des save dump, c'est phénoménal le temps qu'on perd. Hein. C'est, voyez, c'est pour ça hein, que faut être patient quoi. Quand on crée une ligne, c'est très très long. Et rien que pour poser des rails, je suis même pas encore arrivé à Lison. J'ai fait peut-être, enfin, je sais pas combien j'ai fait kilomètres, mais bon. Pour l'instant, j'ai même pas encore passé à la gare de Lison. Pour l'instant, je suis même pas. Enfin, je sais pas où est-ce que j'en suis là par rapport à Lison. On va regarder ça tout à l'heure. Enfin, quand ça va charger. Et du coup, faut que je refasse tout. Oh, ça m'énerve. Ah, vous voyez que. Sauvegarde régulièrement. Faut toujours faire des sauvegardes régulièrement. Sinon. Peut être sûr que là que la fois que ça plante bah là attendez non mais attendez ça se moque de moi là attendez ouais mais ah oui non d'accord ouais. J'allais dire bon où est-ce que j'en suis là je sais même pas où j'en suis. On va voir ça. Ah, pour l'instant, il y a vraiment une bonne partie de la ligne que je n'ai pas encore. Oh, j'ai quand même fait on a fait quand même un bon bout. Hein. Un bon bout de la ligne. Où est-ce qu'on en est ? On est là. Okay. Alors écoutez, je vais juste regarder un petit peu où est-ce que j'en suis. On va attendre que ça charge. J'ai pas une connexion, hein. J'ai pas une superbe connexion. J'ai une connexion en carton préhistorique. Donc vraiment. Du coup, c'est pour ça, du coup, je peux pas faire ça en live pour l'instant. C'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé faire des lives, mais avec la connexion en carton que j'ai, je pense que à mon avis, je risque de faire laguer plutôt qu'autre chose. Donc bon. Alors, du coup, où est-ce qu'on en était ? Est-ce que j'ai des cassures ? Ouais, j'ai vu des cassures. Il y avait des cassures. Hein. Bon, après, je peux pas faire tout parfaitement bien, mais pour l'instant, malheureusement. Mais je suis limite que je peux quand même. Voilà. Il me semblait avoir des cassures. Attendez. Voilà, il me semblait en avoir ici. Bon allez, on va un peu. Tac. Tac. Bon. Là c'est bon. Il faut que je le fasse ici. Parce que là, à mon avis. Je vais essayer d'avancer un peu. J'aimerais bien arriver à Lison un petit peu quand même pour la fin de cette vidéo. Ça aurait été sympa. Bon, sinon, écoutez. Voilà. J'y arrive. Hop. Je vais quand même faire les choses bien comme il faut. Hein. Je veux pas non plus que ça soit à l'arrache. Là. Ouais. Là, pas marqué que... Là, par exemple, on peut marquer qui une cassure. Ah, j'ai marqué une cassure. Il y en a une. Là. Voilà. Ici. Il semblait que c'était ici. Hein. Oui, c'est ça. C'est là. Il y a une cassure là. Donc là, on va surélever un tout petit peu. Pas trop, mais un petit peu. Voilà. Ça devrait être bon. Quarante-six, quatre-vingt-huit,
Voilà, bon. Ça sera bon comme ça. Donc là, pareil, on casse la cassure. Enfin, je les enlève ces petites cassures parce que ça c'est vraiment désagréable. Voilà. Parce que ah! Voilà. C'est parfait. Attendez. Je vais sauvegarder. Parce que j'ai pas envie que ça plante. Hop. Donc normalement on va refaire un peu le terrain. Voilà. Bon. Je referai un peu là où on a vu parce que j'ai vu que ça avait fait planter. Enfin, donc la texture du terrain avait changé, mais je vais rechanger ça. Je referai ça tout à l'heure. Là, je vais juste voir un petit peu ce que j'en suis par rapport à l'ison. Regarde l'ison. Ah! Voilà. Alors, on avance tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. On n'est pas à côté. Hein. Ah, moi, attendez. On va voir ça. Une gare là, non? Non, c'est pas une gare. Punaise, mais. En fait, on est. Waouh, on est loin, 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 loin. Gare de Mori, vous voyez ces petites gares hein, que l'on a, mais attendez, je sais pas si je suis en direction de Lison ou est-ce que je suis en direction de Bayeux. Non, je suis en direction de Bayeux là. Ouais, c'est ce que je me dis, c'est bien Bayeux, donc non. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça sera bon pour cette vidéo. Je vais pas non plus faire l'arrache, voilà, je vais essayer de... Pour la prochaine fois, je pense qu'on va faire la caténaire, à mon avis. On va faire la caténaire, je pense. Poser la caténaire, ouais, je pense que le plus de la caténaire, ça serait très bien. Donc voilà, ma petite gare ici. Ouais. Bon, Lison, c'est vraiment pas à côté. Hein. Vous voyez, on a encore un bon bout de chemin. Punaise. En fait, mais elle est où, la gare? Ah, c'est très longue, hein, la ligne. Hein. C'est ce que je disais, hein, c'est quand même... Il y a quand même 100 km entre Bayeux et Cherbourg. Quand même 100 km, enfin 98 km à peu près. Enfin 90 et quelques. Bref, c'est à peu près 100 km. C'est à peu près 100 km, il me semble. Je vais regarder ça tout à l'heure sur Google Maps. Oui, on est vraiment. Voilà, c'est là. Alors, à mon avis, je pense que ça doit être du 200 km/h, à mon avis, ici. Hein. Enfin, je pense. Peut-être que je pense que là, comme c'est la ligne droite, je peux me permettre de le faire aller à 200. Quoique, on voit peut-être, enfin je sais pas, 200 ou 150, je sais pas si, je sais pas. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir des plans de la ligne au niveau des câbles électriques. Enfin, au niveau des limitations de vitesse. C'est vrai que c'est pas évident. Oh ouais, bah elle est loin la gare de Lison, dis donc. Eh bah dis donc. Bon, alors... Ouais, on est encore très 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 loin de Lison. Parce que normalement c'est Bayeux, Lison, 40 ans, Valogne et Cherbourg terminus. Voilà, on est vraiment très 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 loin. Ouais, bah, je pense que là on en a encore pour 2-3 bonnes heures si je devais faire tout le reste à mon avis. Donc je pense qu'on va s'en arrêter là. Attendez, je vais juste quand même regarder. Ah bah voilà, gare de Lison. Oui, ça c'est la prochaine étape que je dois faire là. Ouf, il y a des aiguillages à faire. Hein. Bon, les aiguillages, c'est pas. Bon, c'est pas le pire. Enfin, ça dépend en fait. Mais. Ah, il y a quand même pas mal de voies. Bon, ça doit être des voies de garage encore. Enfin, c'est vrai que ça. Bon, encore la vision, ça va. C'est pas non plus. Bon. Bon, voilà. Hein. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, pour cette vidéo. Parce que, bon, sinon, ça va être très long. Donc, j'ai pas non plus envie de. J'ai pas envie non plus de. Je pense que l'on a quand même passé pas mal de temps sur la création de la ligne. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En même temps, commenter si vous voulez. Alors après, si vous avez des questions ou autres, vous pouvez me les poser sur ICMFR. Puis voilà, donc bon, je pense que je ressortirai une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine fois, on va faire la caténaire.
Ouais, je pense qu'une fois que j'aurai posé des textures et que j'aurai réussi à arriver jusqu'à ici, jusqu'à Lison. Donc voilà, bon bah je vous dis à plus et puis bon bah voilà, à plus et puis bonne soirée, puis enfin bonne soirée, bonne journée, enfin on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut!